هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes dans un contexte différent parce que voilà, le studio, moi je suis de l'autre côté, Aka est de l'autre côté et puis on a un frère qui est en ligne qui s'appelle Jérélie. Donc voilà. Alhamdulillah, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes en direct de Ouagadougou. Voilà, nous allons faire un échange avec un frère, voilà, qui est là pour, je l'appelle comme ça, hein, un chercheur. Voilà, ouais, l'écran de contrôle qui est derrière, hein, à ce niveau, voilà, il va essayer de nous expliquer de quoi cet écran-là va parler aujourd'hui, Inch'Allah. Et le thème qui sera à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la création. C'est ce qu'il a choisi. Donc, il avait contacté Ismaël depuis. Moi, j'ai organisé le débat, Inch'Allah. Moi, je suis le modérateur de ce jour. Nourdine est au contrôle de l'autre côté de la cabine. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Mon frère Jérélie, tu es là, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Alhamdulillah, je rappelle que nous sommes en direct déjà sur Facebook. Voilà, les gens sont déjà prêts pour nous écouter. Aka est là. Aka, tu me reçois? Ouais, 5-6-5, Inch'Allah. Ok, et vous, le son est bon également. C'est ce qui est le plus important, l'image est bonne également. Donc, le frère Jérélie, si je prononce bien. C'est ça. Voilà, et qu'est-ce que vous attendez par la création? Ben, la création, en fait, ça comporte l'explication précise de comment les choses ont vu le jour, comment l'humanité est arrivée à l'existence. Avec tout ce que ça comporte, en fait, les différents personnages qu'on décrit souvent dans la Bible, donc Adam, Caïn, Abel, Ève, Dieu. Donc, c'est déjà ça, en fait, il faut comprendre, c'est aller dans la compréhension de chacun de ces personnages et après voir comment la création a pu se développer, en fait, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et donc, je rappelle à ceux qui nous suivent que on pourra le voir, on pourra voir son visage, il ne se cache pas. Il a juste mis l'écran sur le tableau qui est juste derrière lui pour pouvoir expliquer ou bien exposer ce qu'il veut nous faire comprendre. Voilà, je rappelle que vous n'êtes ni chrétien ni musulman. C'est ça, exactement. D'accord, donc ce qu'on va faire, d'abord je vais vous donner des temps de parole à chacun. Et puis par la suite, on va ouvrir ce qu'on appelle le dialogue direct. Vous allez échanger directement en vous posant des questions. Mais cela étant... Je vais vous donner 10 minutes pour que vous puissiez commencer. Il est déjà 30 ici, donc jusqu'à 40, vous allez terminer les 10 minutes. Et ensuite, Ismaël aussi va prendre parce qu'il faut que vous exposiez pour que lui puisse comprendre de quoi allons-nous parler. Quand vous voulez parler de création, puisque je rappelle aussi que c'est vous qui avez choisi le thème, la création. Aujourd'hui, ce n'est ni Jésus est Dieu, ni c'est Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le sauveur. Non, ça va parler de la création. On vous écoute top chrono, vous avez 10 minutes. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'il est 30. Allons-y. Alors, donc, en fait, c'est pas que j'ai choisi personnellement le thème de la création, c'est que je vous ai expliqué que, en fait, si on ne retourne pas aux sources, d'accord, pour en fait, déceler les différentes confusions qu'il y a aux sources, naturellement, on va être confondu sur toute la ligne. C'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi le terme de la création de telle sorte qu'on puisse déjà voir depuis la création ce qui s'est passé. Quels sont les différents personnages? Qui est Dieu? Qui est Adam? Qui est Caïn et Abel? Qui est Ève? À partir du moment où on a défini, on a compris quels sont ces personnages-là, naturellement, c'est clair que dans la chronologie évolutive des choses, on va être moins confondu. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, dans les différentes églises, il y a beaucoup de gens qui disent que... Excuse-moi. Oui.
Avant que vous allez passer à l'explication de l'écran, est-ce qu'on peut vous voir d'abord vos visages et tout, vous parler? Lorsque vous serez en train de montrer le tableau, vous vous présentez, ouais. Mais vous allez basculer maintenant. Voilà. Ok, donc voilà. Donc du coup, je disais, donc c'est. Là, vous me voyez là ou pas? Parce que là, j'ai une table devant moi, je ne peux pas trop faire comme ça. Ouais, c'est bon. On te voit, c'est bon. Donc je disais qu'en fait, ce n'est pas moi personnellement qui ai choisi le terme de la création en soi. C'est juste simplement parce que j'ai dit qu'en fait. Si on est confondu depuis le commencement, naturellement, on va être confondu tout au long, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut retourner aux origines, définir, voir qui est Adam, voir qui est Ève, voir qui est Dieu, avant de commencer à avancer. Parce que si on n'a pas défini tout ça, en fait, on va être confondu sur toute la ligne, en fait. Donc, je tenais à préciser ça avant de rentrer dans l'explication des choses, en fait. C'est bon? Je peux... Bon, on vous écoute, hein. Vous avez la parole. Vous avez encore 7 minutes. Donc, aujourd'hui, en fait, généralement dans les églises, aujourd'hui, dans les églises ou bien dans le Coran, en fait, beaucoup de gens disent que Caïn, par exemple, aurait tué Abel. D'accord? Et il y a certaines personnes qui disent que Adam, Caïn et Abel, c'est les fils de Adam. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne conçoivent pas le fait que Dieu s'est incarné dans sa création. Il y a beaucoup de personnes qui ne conçoivent pas que Dieu s'est incarné dans sa création. Alors, on va commencer par voir qui est Dieu. Dieu, qui il est. D'accord? Moi, à mon sens, Dieu représente le temps. Le temps. Je m'explique pourquoi Dieu représente le temps. Dieu, c'est le temps. Et quand Dieu va se déplacer, dans l'espace, il va créer ce qu'on appelle un espace-temps. C'est pour ça que quand les Blancs, par exemple, ils parlent de Big Bang, ils vous parlent de l'instant zéro. Mais quand il vous parle de cet instant zéro, il ne vous parle pas du temps. Mais sauf que ce temps-là, c'est Dieu. Parce que quand Dieu va se déplacer, il va créer ce qu'on appelle un espace-temps. Et quand il va créer cet espace-temps, en même temps, il va décupler ses cellules. Et donc, quand Dieu va décupler ses cellules, comment il va décupler ses cellules? Il va décupler ses cellules en... Alors, attendez, je trouve un truc pour essuyer le tableau, là. Il va décupler ses cellules comment? Il va décupler ses cellules en vérité, donc en vérité, comme ça, le cercle de vérité. Il va décupler ses cellules après en loi, la loi qui est le Coran, comme ça. Donc là, on a la vérité qui est Adam. Donc, je vous donne donc le cercle là, c'est Adam, comme ça. A-D-A-N. Si on lit Adam, on peut lire aussi Nada, ça forme un cercle. C'est pour ça que Adam, c'est la vérité. Donc, c'est le cercle comme ça. Là, on est aux origines des origines. Donc, c'est un cercle. Et après, ici, on va avoir le Coran, la loi. La loi qui est comme ça. La loi au commencement des choses. Après, cette loi, donc c'est lui qu'on appelle Abel. A-B-E-L. Abel. Et après, ici, on va avoir qui? On va avoir Caïn. Caïn, ici. Qui est le complément de la loi, qui est la Bible, en fait. C'est le complément de du Coran. Et donc ça, ça va former ce qu'on appelle le temps. Parce que si tu fais ça multiplié par 3, ça te donne le passé, le présent et le futur. Et si tu fais ça, il y a 8 branches. Les 8 branches fois 3, ça te donne 24. Ça te donne les 24 fuseaux horaires du temps. Donc c'est comme ça que Dieu va décupler ses cellules. Et quand il va donc décupler ses cellules, on aura donc Adam, on aura Caïn et Abel. Maintenant, dans la suite chronologique des choses, je vous montre comment en fait, on arrive à découvrir les confusions qui se sont intégrées dans la Bible avant d'arriver à ce schéma-là, en fait. Beaucoup de gens disent que Caïn, par exemple, a tué Abel. C'est faux. Caïn ne peut pas tuer Abel. C'est impossible que Caïn ait tué Abel parce que, au fait, ici, si tu regardes bien ici, la loi est parfaitement complémentaire à ça. En fait, à la diagonale gauche et la diagonale droite. C'est-à-dire qu'on a la verticale, l'horizontale, on a la diagonale gauche et la diagonale droite. Ils sont parfaitement complémentaires. Ça veut dire que même si ils se mettent à livrer un combat. Même si tu les laisses livrer un combat pour l'éternité, personne d'entre eux ne va jamais vaincre l'autre, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfaitement complémentaires. Donc, la Bible ne peut pas vaincre le Coran. Le Coran ne peut pas vaincre la Bible, en fait. Donc, je vous montre comment Dieu a découpé ces cellules. Maintenant, par la suite, si tu regardes ici, tu vas voir qu'ici, ça te forme des 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. Donc, ça te forme 1 comme ça, et ça te forme 1 comme ça, des 1. Maintenant, si tu retournes ce 1, tu le mets comme ça, ça va te former une flèche. Une flèche. Ça. Ça s'appelle une lance sacrée. Donc, c'est le 11. C'est le chiffre 11. Le chiffre 11. Et donc,
Ici, par la suite, il y a la personne qui va arriver, c'est le chiffre 11, en fait. La personne qu'on appelle en réalité Christ. La personne qu'on appelle en réalité Christ, en fait. Mais beaucoup de gens confondent cette personne qu'on appelle en réalité Christ, au fait, à Caïn et Abel au commencement. Donc, au fait, Dieu va décuper ses cellules, comment ? Celui qu'on appelle le paraclet. Dieu va décuper ses cellules en vérité, en verticale, horizontale, diagonale, gauche, diagonale, droite, et en chiffre 11, qui est l'accélérateur de particules qu'on appelle le paraclet, en fait, en réalité. Donc, pour une introduction, voilà moi ce que j'entends par la création, en définissant d'abord ces choses-là. Maintenant, qui parle de Adam, parle de Ève, naturellement. Ève, ici. Pourquoi Ève ? Parce que Ève, c'est la mathématique. Parce que quand le temps va se projeter, il aura besoin de comment on appelle ça, des procédés mathématiques pour pouvoir se projeter avec précision. Donc, Ève, c'est aussi, Ève est comme ça. Donc, c'est ça. Dieu, c'est le temps et Ève, c'est la mathématique, en fait. Et donc, quand ils vont se projeter dans l'espace, ils vont créer ce qu'on appelle un espace-temps. Et dans cet espace-temps, ils vont décupler leurs cellules dans l'espace-temps, en fait. Mais sauf que dans la Bible, on vous dit que Adam a donné naissance à Caïn et Abel, mais on ne vous explique pas la profondeur, en fait, des choses dans ce qu'il en est, en fait, grosso modo. Donc là, je viens de vous démontrer d'un point de vue logique que Adam, c'est le cercle. Et quand vous regardez son nom, vous voyez bien que son nom forme un cercle. Donc, c'est Adam. Mais si vous lisez comme ça, ça donne nada. Nada qui veut dire rien. Donc, ça forme un cercle. Et c'est pareil pour Ève, parce que Adam et Ève sont parfaitement égales d'un point de vue existentiel des choses. C'est pour ça que quand ils vont décupler leurs cellules, ils vont décupler leurs cellules de manière égale. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la vérité, on va avoir Caïn et Abel, mais on va avoir leur même projection en féminin. Parce que dans la Bible, on parle de Caïn et Abel, mais on ne dit pas en fait qui est... quels sont les côtés féminins de Caïn et Abel? Ils avaient bien, en fait, des sœurs, en fait, à ce moment-là. Sinon, comment Caïn ou Abel a trouvé sa femme, en fait, par la suite, pour avoir des enfants avec elle, en fait? Puisque là, on est aux origines des origines, on est au commencement. Et donc, il faut que dans ce commencement-là, les cellules vont se décupler de manière... Il te reste 2 minutes, hein. Voilà. Les cellules vont se décupler de manière, comment dirais-je, égale. Donc, on aura donc Adam qui va décupler ses cellules, on aura Ève aussi qui va décupler ses cellules dans cet espace-temps-là, en fait. Donc, moi, je vous explique les choses de manière globale et générale. Maintenant, on va rentrer dans la compréhension. Vous allez aller dans la compréhension de la Bible pour me dire, ben là, Jérilly, sur ce point-là, tu te trompes. Voilà pourquoi tu te trompes. Et moi, je vais vous dire non. Je vais essayer de vous dire pourquoi je ne me trompe pas, en fait. Et donc, si on a compris ça, naturellement, on va comprendre la suite de la chose. Maintenant, avant, pour finir, il y a beaucoup de gens qui disent, qui appellent, qui pensent que Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus-Christ comme ça, égale Yeshua. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus-Christ, c'est Yeshua. Par exemple, si je vous demande, je ne sais pas, monsieur Ismaël Aka, Jésus-Christ, c'est Yeshua ou pas, selon vous? Je crois que dans ma série d'introduction, je vais répondre. Mais j'ai noté, Inch'Allah. Vous pouvez continuer. Voilà, il te reste 1 minute. Il te reste 1 minute. Voilà, pour terminer, pour qu'Ismaël va prendre la parole. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus-Christ, c'est Yeshua. Mais non, parce que Jésus-Christ n'a jamais été Yeshua. Il ne sera jamais Yeshua, en fait. Parce qu'en fait, la personne qu'on appelle en réalité Jésus-Christ, c'est la personne qui est censée être le paraclet et qui est le chiffre 11. Et quand on le retourne, ce chiffre 11-là, il devient une lance, en fait. Parce que si ce chiffre va se retourner, et ça va former comme ça, ça va former une lance sacrée. Donc, c'est le chiffre 11, en fait. Donc, mais par contre, ce chiffre 11 n'est pas Yeshua. Donc, il y a eu une confusion, en fait. C'est pour ça que vous avez tendance à dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'on pense que Jésus-Christ, c'est Yeshua, alors que Jésus-Christ, ce n'est pas Yeshua, en fait. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Et on est déjà à 10 minutes, on ne va pas tarder. Je vais donner la parole à Ismaël. Je pense qu'il a saisi. Voilà, toi maintenant, tu vas écouter aussi Ismaël. 10 minutes. À toi la parole, Ismaël. Je vais fermer le micro du frère également. Inch'Allah. A'oudhu billahi mina shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thumma salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah. Wa qul jaha al-haq wa dhaka al-batil inna batina qana dawka. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, créateur de toutes choses et de toutes circonstances, maître suprême de l'autorité, de toute autorité,
maître des cieux et de la terre, maître de l'univers, maître du multivers, créateur de tout ce qui est créé ou incréé, maître de tout ce qui est créé ou incréé, le suprême par essence et par excellence, le glorieux, le puissant, le sage, l'omniscient, le parfaitement connaisseur de toutes choses. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le messager Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que sur tous les membres pieux de sa famille, ainsi que sur tout musulman qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah, que Mohammed est son messager, qui va marcher selon sa sunna, et qu'Allah fasse que nous tous, tous les musulmans de la terre ici, se retrouvent tous dans le Jannat al-Firdaus pour célébrer sa gloire et ses louanges. Nous remercions notre co-débatteur Jerry Lee qui a fait une introduction qui m'a vraiment un peu laissé un peu sur la touche parce que jusqu'à là, je n'ai pas compris vraiment. J'ai juste compris le thème, mais je n'ai pas compris le développement. Mais peut-être que dans les prochaines minutes, on va essayer d'être encore plus éclairé. Mais juste pour comprendre, je me force par la grâce d'Allah de comprendre ce que le monsieur est en train de dire. Parce que là, je vois qu'on voyage des mathématiques à la géographie, de la géographie à la science physique, de la science physique à la métaphore, etc., etc. Et on parachute dans la Bible et on finit par atterrir par une question de qui est Jésus. Donc du coup, moi-même, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu mélangé, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Je suis un peu bleu-bleu. Mais Inch'Allah, je crois qu'avec le temps, on va essayer de comprendre un peu mieux. Donc déjà, j'aimerais déjà dire à mon co-débatteur que je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Et aujourd'hui, je viens ici pour défendre la foi musulmane et que toutes les questions qu'il va me poser doivent être des questions qui sont en rapport avec moi, ma religion. Je suis là pour défendre ma religion, je suis là pour défendre ma foi. Et ma foi ici, ma foi est basée sur ce livre, le Coran. Et déjà, le thème, c'est la création. Et je crois que... Jérémy, il faut tourner la caméra sur toi pour qu'on voit ton visage maintenant, parce que c'est Ismaël qui parle. Ouais, complètement. C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, mon ordinateur, je ne peux pas trop le bouger, en fait. Tu vois, je suis là. Donc, il faut te déplacer un peu. On veut te voir, quoi. Voilà. Pour qu'on puisse comprendre. T'inquiète. Ok, alhamdoulilah. Donc, je veux qu'on essaie de rentrer dans le vif du sujet, d'être un peu plus explicite pour les gens, parce que tout le monde ne maîtrise pas les mathématiques, etc., etc. Comme on est suivi par des gens, je vais essayer de rentrer un temps soit peu dans le vif du sujet, vu la thématique qui nous a été donnée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran que rien de tout ce qui existe n'a été mentionné, rien de tout ce qui existe ne vit aux dépens de lui-même et que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Voilà pourquoi il dit dans le Coran que c'est lui qui a créé les cieux et la terre sans aucune lassitude. Voilà, il est le créateur de ce monde, il est le créateur de toutes choses. Et il y en a plein de versets comme ça qui l'attestent. Je vais prendre par exemple un verset du Coran dans le chapitre 35. On va essayer de comprendre quelque chose. On va essayer de comprendre. Un verset du Coran, voilà, il dit dans la sourate chapitre 35, le chapitre 35 du Coran. Le chapitre 35 du Coran est intitulé « Le Créateur ». Le titre, c'est « Le Créateur ». Alors, qu'est-ce que nous dit le Coran? Allah dit, le verset 1, Allah dit « Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes, et il rajoute à la création ce qu'il veut. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens de bien, il n'y a personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'y a personne à pouvoir le relâcher. Et c'est lui le puissant, le sage. » Donc voilà le verset du Coran, un premier verset par exemple, qui atteste que le créateur de toutes choses, des cieux, de la terre, ainsi que des anges, des êtres vivants, et comme des êtres visibles et invisibles, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors moi je veux que le monsieur ici, il essaie de me démontrer que le créateur n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou bien dans la vie. En tout cas, avec ces preuves qu'il va donner, je veux qu'il nous montre, il essaie de démontrer que le Coran se trompe sur la création. Déjà, ça, c'est la création du monde. On va maintenant partir à la création de l'homme. Tout ça, Allah a parlé dans le Coran. Comme je suis dans l'introduction, je vais d'abord présenter un peu les différents types de création. Dieu a déjà tout dit dans le Coran. Il nous a dit comment est-ce que ce monde-là fut.
auparavant, qu'est-ce que le monde était, qu'est-ce que c'était plutôt avant de devenir un monde. Dieu nous a tout éclairé dessus dans le Coran. Alors moi, je veux que le monsieur, il essaie de rentrer dans le Coran ou bien il essaie de rentrer dans d'autres choses pour nous démontrer que les dits du Coran sur la création ne sont pas authentiques. Voilà, pour ne pas faire, comment on va dire, des paroles qui ne vont pas nous servir, il est préférable de rentrer dans le vif vraiment, vraiment du sujet. Oui. Donc, c'est le créatif, c'est la création du monde. Dieu en a parlé. La création des êtres vivants, Dieu en a parlé. La création des êtres humains, Dieu en a parlé. La création des anges, Dieu en a parlé. La création des esprits visibles et invisibles, Dieu en a parlé. Donc, sur cette base, je crois qu'il doit aller sur les bases présentées par le Coran. Vu que moi, je suis musulman, je suis là pour défendre le Coran. Bon, subhanallah, je suis là aussi pour défendre ma foi islamique par la grâce d'Allah. Alors, je veux qu'il essaie, tant soit peu, de rentrer dans ce que le Coran a dit, dans les explications du Coran, pour démontrer que ma foi est une foi qui est basée sur quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, j'invite mon frère Jerry Lee à laisser les mathématiques, à laisser, je sais pas, ce développement un peu, je sais pas comment je vais dire, mais de rentrer dans le vif vraiment du sujet, d'adopter et d'employer les mots les plus simples pour que les autres qui nous suivent essaient de comprendre de quoi il veut parler au juste. Où est-ce que le Coran s'est trompé sur la création? Où est-ce que le créateur n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala? Où est-ce que ce monde-là a vu jour par une autre divinité ou même par un autre moyen ou par une autre puissance autrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà les questions à laquelle, auxquelles plutôt le monsieur doit répondre. Voilà le sujet dans lequel le monsieur doit rentrer. Voilà les propos qu'il doit développer, les questions qu'il doit répondre qui vont donner lieu et place à un débat plus cohérent, plus explicite et plus limpide pour la compréhension de tous. Alors, je vous remercie, je vais laisser les minutes. Comme c'est lui qui a beaucoup à développer, moi, je suis là pour juste l'aider à comprendre ce qu'il n'arrivera pas à comprendre. Donc, je vais lui laisser l'antenne qu'il essaie, un temps soit peu, de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de nous expliquer un peu où est-ce que le courant s'est trompé sur la création, etc., etc. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je tenais à rassurer déjà les musulmans qui nous suivent de s'asseoir tranquillement, de prendre leur petite cop, les petits, de s'asseoir tranquillement dans leur canapé, voilà, d'allumer le ventilateur ou le climatiseur parce que il n'y a que la sérénité, rien de, il n'y a rien à l'horizon, ce n'est juste que une incompréhension de la part de notre frère qui sera éclairé d'ici 30 minutes, Inch'Allah. Si Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà. Mon frère Jérémy, voilà, beaucoup d'internautes posent la question, ils veulent que voilà, on puisse vous voir quand même. Voilà, parce que la dernière fois, quand on a fait le test, vous n'étiez pas ici. Vous étiez oui. Dans un endroit plus... je ne sais pas comment se fait-il que... Voilà. C'est là, en fait. C'est juste que je suis sur la table et là, j'ai mis mon truc. Parce que je ne peux pas faire autrement. Tu vois? Oui, non. En fait, le problème n'est pas là. Notre problème n'est pas la table là. Hein. Notre problème, c'est vous-même. Si en fait, il faut que vous soyez face à votre interlocuteur pour vous lui montrer, comme il vient de le dire là, oui. Si vous reprochez des choses à la création dans le Coran, si vous reprochez des choses à la création dans la Bible, oui, ça, ce n'est pas le livre de foi des musulmans, mais celle du Coran. Mais voilà, lui, il veut savoir, puisque lui, il est musulman. Vous avez dit, Yeshua n'est pas Dieu, ça, ce n'est pas lui son problème, ça, lui le défend que Yeshua n'est pas Dieu, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui confondent Jésus-Christ et Yeshua. Beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ, c'est Yeshua. Alors, ce n'est pas la même chose, en fait. Mais je vais répondre au frère en soi dans ce qu'il m'a dit par rapport à son. En fait, on va vous voir, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on vous voit. Si tu me vois, tu ne vas pas voir ce que je vais t'expliquer. Ce qui compte, c'est ce que tu vois là. Il faut que tu vois ça, en fait. Parce que c'est alors, ça. On va le laisser. C'est pas grave, on va le laisser. On va le laisser. Allons-y. Comme il veut expliquer, qui va finir d'expliquer ce qui est sur le tableau, on va le voir, je crois. Déjà, quand tu parles de Allah, il faut dire une chose aux gens, c'est que Allah veut dire Dieu, en fait. Dieu. Mais à aucun moment. Voilà, vous allez échanger maintenant. Je pense qu'il faut que vous échangez. S'il n'est pas d'accord sur un certain point, il peut poser des questions. Voilà, il me pose une question. En fait, ce qu'il faut déjà dire au commencement avant de continuer le développement, c'est que quand tu dis Allah, il faut déjà dire aux gens que Allah veut dire Dieu. C'est la définition, mais ce n'est pas un nom, en fait. Alors, Allah, lui, il a un nom. Lui, Allah, il a un nom. Mais c'est quoi le nom de Allah? C'est une question que je te pose. Merci beaucoup. Je réponds directement à la question rapidement. Déjà, monsieur le chercheur, sachez que vous vous êtes trompé. Allah ne veut pas dire Dieu. Allah ne veut pas dire Dieu en arabe. Allah, c'est le nom de Dieu en arabe. Le mot Dieu en arabe signifie ilaha ou bien ilahu au pluriel. Maintenant, le nom de Dieu en arabe, c'est Allah. Je vous donne un exemple du verset. Je vous donne un exemple du verset pour appuyer ma thèse.
Dieu dit, par exemple, dans la 113e sourate, par exemple, il dit, قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس c'est-à-dire je cherche refuge contre le Seigneur il dit excusez-moi je trouve le verset je lis en français pour vous inchallah Dieu dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes le souverain des hommes إله الناس Dieu des hommes donc le mot إله veut dire Dieu en arabe. Maintenant, le nom de Dieu en arabe, ou bien le nom de Ilah en arabe, c'est Allah. Pas en arabe, le nom de Dieu. C'est parce que un nom, on ne traduit pas. Par exemple, si je m'appelle Stéphane, que ce soit en Chine ou peu importe où, je vais toujours m'appeler exactement, Stéphane. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Je veux dire parce que je m'appelle Stéphane en arabe. Pourquoi j'ai dit, pourquoi j'ai dit en arabe, bon, pourquoi j'utilise le thème en arabe, parce que c'est dans cette langue-là qu'il s'est révélé au prophète, vu que le prophète était arabe. Mais le nom de Dieu, c'est Allah. Que ce soit en arabe, en japonais, voilà pourquoi tous les musulmans du monde, peu importe la nationalité qu'ils ont, peu importe la langue qu'ils parlent, ils disent tous Allah. Parce que comme tu l'as dit, ce nom-là ne doit pas se traduire là, je peux t'accorder un peu de crédit, mais le nom de Dieu, c'est Allah. Et non, d'accord, Dieu ne veut pas dire Allah. Ça, c'est une petite correction pour vous. D'accord, donc si tu dis que le nom de Dieu, c'est Allah, regarde très bien. Je vais te montrer donc ce que tu dis, en fait, tu me rejoins dans mon raisonnement. Parce que tu m'as parlé de mathématiques, mais je t'ai expliqué que Dieu, c'est le temps. Et quand le temps va se projeter, il aura besoin des procédés mathématiques. Il va se projeter avec sa femme qui s'appelle Ève. Et tous les deux vont créer ce qu'on appelle un espace-temps. Et dans cet espace-temps, ils vont faire quoi? Ils vont décupler leurs cellules. Maintenant, tu m'as parlé de Allah. Je te montre que Allah, c'est le cercle, c'est le temps. Regarde, Allah, Allah. Quand tu lis comme ça, ça te fait Allah. Quand tu lis comme ça, ça te fait Allah. Ça te forme un cercle. Pourquoi? Parce que le cercle n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est l'infini, c'est l'éternité. T'as vu? C'est ça. C'est le cercle. Allah, Allah. Regarde Ève. C'est un cercle. Maintenant, quand le temps, au commencement, le temps, il est chargé. Il est chargé par ses particules. C'est comme toi. Toi, tu es là, tu n'as pas encore donné d'enfant, donc tu es chargé par tes particules. Et après, tu vas décupler tes cellules. Dans le Allah en question, qui est Dieu, d'accord? Il est là, c'est le temps, c'est ce que je t'ai expliqué ici. Il est le passé, le présent et le futur. Et si tu multiplies ça par 3, ça te donne les 24 fuseaux horaires du temps. Maintenant, quand lui va décupler ses cellules, il va décupler ses cellules en vérité, en Adam, en Coran, puisque tu m'as dit que toi tu es musulman. Donc je te montre comment il va décupler ses cellules. Il va décupler ses cellules en vérité, il va décupler ses cellules en Coran, et après il va décupler ses cellules ici. En complément du Coran, vertical, horizontal, diagonale gauche et diagonale droite. En fait, ce que tu appelles Caïn et Abel. Parce que tu m'as dit qu'il faut que je t'explique des choses terre à terre. Donc, je ne suis pas en train de contredire ton Coran en soi, mais je t'explique les choses. Le Allah que tu dis là, je te montre que Allah, au fait, c'est le cercle arrondi et c'est la verticale, l'horizontale, la diagonale gauche et la diagonale droite. Et d'ailleurs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en d'autres termes, Allah c'est l'infini. C'est ce que vous voulez me dire? Non, c'est pas l'infini. C'est pas l'infini en soi. C'est l'infini justifié parce que l'infini non justifié veut dire qu'on a un commencement mais on n'a pas de fin. Un infini non justifié veut dire qu'on a un commencement mais on n'a pas de fin puisque c'est l'infini. Je commence quelque part et je n'ai pas de fin. Mais Allah c'est l'infini justifié puisqu'il commence ici Allah. Il finit ici et il reprend là Allah. Donc ça te forme un demi-cercle, ça te forme un cercle final. Et donc après, pour vous, je finis. Allez-y. Dans le Allah, on a la verticale, l'horizontale, la diagonale gauche et la diagonale droite, en fait. Et x3, ça te donne les 24 fuseaux horaires du temps. C'est pour ça, donc, quand tu me dis que Dieu a créé, si tu me dis que Dieu n'est pas le temps, dis-moi pour toi, qui est Dieu? Parce que si tu me dis que Dieu a créé, je vais te demander, ok. Quel est le temps de la création? Comment il a fait pour créer? Pour créer, il faut avoir un temps de création. On est d'accord? Donc, comment il a fait pour créer s'il n'a pas un temps de création, en fait? D'accord, j'essaie de répondre à votre question. Mais d'accord. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Je veux pour nous, écoutez très bien, pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de commencement ni de fin de vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est l'infini par essence. C'est-à-dire, il n'a pas de début ni de fin. D'accord. Il est ce qui transcende le temps.
C'est-à-dire que Allah a créé le temps sans pour autant être dans le temps. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le commencement sans début. C'est-à-dire qu'il n'a pas débuté. Il n'a pas eu de début. C'est-à-dire pour parler de début, il faut qu'il y ait quelque chose qui amène un début. Alors que lui, il est par essence la chose qui est, on va dire, l'être transcendant. Comme les gens peuvent le dire, que c'est l'être qui transcende toute chose. Donc, du coup, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est ça, c'est ce que nous disons. Et nous disons que il n'est pas un être qu'on a réussi à percevoir ou à circonscrire de sorte de pouvoir lui donner une certaine valeur. Parce que toutes les valeurs qu'on peut donner à Allah subhanahu wa ta'ala, il transcende tout ceci. Voilà pourquoi il dit dans le Coran, Allah, il transcende tout ce qu'on peut lui imaginer. C'est-à-dire, l'esprit, le cerveau de l'homme est trop petit, a trop une capacité inférieure pour pouvoir circonscrire ou pour pouvoir donner une valeur à ce qui n'a pas, à ce qui a une valeur infinie. Je ne sais pas si vous comprenez. Vu que la valeur d'Allah est une valeur infinie, en nous qui sommes des valeurs finies, nous ne pouvons pas lui donner une valeur. Nous, on ne peut pas le circonscrire, on ne peut pas lui donner un chiffre, on ne peut pas lui donner un nombre, on ne peut pas essayer de le circonscrire dans un lieu ou bien dans un schéma ou bien dans un calcul quelconque. Maintenant, je reviens à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est lui qui a créé le temps. Donc, il ne fait pas partie du temps. Le temps même est une création. Donc, avant d'avoir créé le monde, déjà, il a déjà créé le temps. D'accord. Parce que le temps fait partie de lui, sa créature. Okay. Mais lui n'est pas le temps. Parce que si on dit le temps, c'est quelque chose qui commence. Le temps, qu'on le veuille ou pas, a forcément un début. Le temps va commencer quelque part. Il y a forcément un point culminant qui va marquer le temps. Voilà pourquoi il y a des éléments sur la Terre qui marque le début du temps et même la fin. Le début du mois et même la fin. Le début de la journée et même la fin. Le début des minutes et même la fin. Le début des secondes, etc. etc. Alors que lui, il est celui-là même qui a mené à l'existence ce que nous appelons temps, l'espace-temps. Voilà pourquoi on ne peut pas le mettre dans le temps, parce qu'il est au-delà de ça. Donc, voilà. vous ne pouvez pas faire un schéma dans lequel vous allez faire un cercle, parce que même avant de faire un cercle, on part par un point de départ pour revenir par le même point de départ. C'est-à-dire le cercle, il ne se forme pas tout seul. Il commence par un point et puis la circumambulation jusqu'à revenir à ce même point-là. Donc, ce qui veut dire, du moment où vous faites un cercle et que vous marquez un début de votre cercle, ce n'est plus Allah. Allah ne fait plus partie de ce que vous avez marqué comme temps. Déjà, si vous faites un calcul, et que vous avez mathématiquement marqué ce calcul-là par un chiffre, ça ne correspond plus à la valeur d'Allah, parce que nul ne peut donner la valeur de celui qui est incréé. Nul ne peut donner la valeur de celui qui est infini par essence et par excellence. Nul ne peut donner la valeur de celui-là qui ne nous a même pas donné la capacité de pouvoir connaître, de pouvoir circonscrire, de pouvoir atteindre l'essence qu'il est. Donc, pour répondre simplement à votre problématique, pour vous amener vraiment dans le vif du sujet, je vais vous amener à comprendre que peu importe le temps que vous allez calculer, peu importe les mathématiques, Allah n'est pas dans les mathématiques et il n'est pas dans le temps. Alors, voilà pour répondre à votre question. D'accord. Alors, au fait, quand vous dites que Allah n'est pas une valeur définissable, c'est selon votre compréhension des choses. Et vous dites que Allah a créé le temps. D'accord ? Moi, je vous ai démontré ici que Allah, je vous montre que même à travers son nom, Allah vous montre qui il est. Puisque vous dites que non, Allah a créé les choses. Vous lui dites qu'Allah a créé le temps. Alors, en combien de temps, selon vous, Allah a créé le temps? Très belle question. Merci pour la question de en combien de temps Allah a créé le temps. Oui. Déjà, je vais vous donner un verset du Coran où Allah il dit que avant que toute chose ne fût, avant que toute chose n'existe, lui, il était déjà là. Oui, ça, je sais. Ça forcément, d'accord. Avant que toute chose n'existe, le temps existe. Avant que toute chose existe, le temps existe. Forcément. Non, le temps est une chose, en fait.
Mais oui, je suis d'accord. Voilà, le temps, c'est quelque chose, forcément. Mais avant que toute chose n'existe, le temps, lui, il existe. Mais quand ce temps-là va se déplacer, il va créer, tout à l'heure, vous avez dit la même chose, il va créer ce qu'on appelle un espace-temps, puisque c'est là où le temps se déplace. Il n'y a que le temps pour créer un espace-temps. Maintenant, quand le temps va se déplacer en créant cet espace-temps, c'est qu'il va faire, quand vous regardez, même quand vous entendez même les scientifiques vous parler du Big Bang, il va tellement aller vite, il va aller à une vitesse qui va dépasser même la vitesse de la lumière. Et comme il va tellement vite, il va courber l'espace. Et quand il va courber l'espace, il va revenir à je ne sais pas, je ne sais même pas comment on peut quantifier ce temps-là. Il va revenir au même point de départ, donc il va former un cercle, au fait. Donc, quand vous dites que Allah n'a pas de commencement et il n'a pas de fin, non. Allah a un commencement puisqu'il s'est auto-créé lui-même. Il s'est auto-créé et dans cette auto-création, ce qu'il a vu, c'est quoi? C'est que s'il fait comme ça d'un point jusqu'à l'infini, ben, il aura un commencement, mais il n'aura jamais une fin puisqu'il va se définir comme l'infini. C'est pour ça que dans la Bible, quand on vous parle de l'éternel, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a éternel et éternel. Il y a deux éternels. Il y a l'éternel qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin, puisqu'il est éternel. Mais il y a l'éternel qui a un commencement, et qui n'a pas de fin, mais justifié. Et cet éternel-là, c'est lui qu'on appelle le temps, parce que lui, quand il est parti d'un point ici, pour se projeter dans l'espace, il a vu que s'il continuait et continuait dans l'espace indéfiniment, il n'allait jamais finir. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté sa vitesse pour courber l'espace. Et il a créé ce qu'on appelle un espace-temps courbé. Et donc, il s'est auto-créé en cercle, au fait. C'est pour d'accord, ça qu'on dit que le cercle n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Puisque une fois que le temps s'est créé, il n'a plus de commencement, il n'a plus de fin. C'est pour ça que si vous regardez un cercle, le chercheur, le cercle n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Monsieur le chercheur, s'il vous plaît, je veux savoir. Si Allah fait partie du temps. Non, il ne fait pas partie du temps. Allah, c'est le temps. C'est le temps. Si il est le temps, si vous dites qu'il est le temps, alors vous êtes cap. Alors que nous savons que le temps est forcément marqué par quelque chose, n'est-ce pas? Soit par les mois, par les heures, par les minutes, par les secondes, n'est-ce pas? Oui. Alors donnez-moi, mais si il fait partie du temps, c'est ça, non? Vous dites, c'est ce que je répète, non, c'est ça. Je vous ai dit que Allah, la personne que vous. Mais s'il est le temps, s'il est le temps, je veux savoir, s'il est le temps, si vous dites que Allah est le temps, alors définissez-moi par un chiffre quelconque, comment est-ce qu'il est le temps? Parce que vous dites il est le temps, alors que le temps se marque par quelque chose. Mais je vous ai par montré, une heure, une seconde, ou bien par quelque chose. Alors, donnez-moi comment est-ce que, ouais, ce que Allah est le temps. La représentation de Allah, la personne que vous appelez Allah, mais je vais vous donner son nom plus tard. Donc, on a un cercle, on a la verticale. Non, laissons le cercle, parce que le cercle, là, c'est... Excusez, avant de faire du cercle... Vous voulez que je avant vous de faire le cercle. Et Allah, je vous ai dit, c'est le temps. Voilà. Le temps, c'est quoi? Oui, le temps, comment? Le temps, c'est le cercle, la verticale, l'horizontal, la diagonale gauche, la diagonale droite, fois 3, parce qu'il est le passé, le présent et le futur. Et donc, quand vous multipliez par ça par 3, ça vous donne les 24 fuseaux horaires du temps. Maintenant, attendez. Où vous avez enlevé cette diagonale-là? Les 24 fuseaux horaires du temps. Excusez-moi. J'ai pas fini. Les 24 fuseaux horaires du temps. Une fois qu'on a les 24 fuseaux horaires du temps, c'est que ce temps-là va décupler ces cellules. Ça veut dire que nous tous, c'est-à-dire que toute l'humanité, y compris tout ce que vous voyez dans l'univers, font partie intégrante du temps. En fait, c'est les particules vivantes du temps, en fait. Je sais. Ma question, c'est celle-ci. Oui. Si vous dites que Allah, c'est le temps, je dis OK. Un temps se marque forcément par quelque chose. Vous avez fait le cercle. Je dis, avant de faire le cercle, parce que le cercle, là, c'est le concept définitionnel du début du temps que vous voulez nous montrer. Du début, non, c'est pas le temps, c'est le temps en lui-même. C'est ça que je vous ai montré. Voilà. Pourquoi vous symbolisez le temps par le cercle? Je veux savoir. Parce que le cercle, là, c'est quelque chose de mathématique, mais c'est quelque chose qu'on a pris dans les... Après avoir... Je finis, s'il vous plaît. Je dis, vous avez marqué le cercle. Vous avez marqué le temps par le cercle, n'est-ce pas? Oui. Et puis vous avez fait des déductions en mettant des croix à l'intérieur. Et vous avez fait une multiplication par 3. Je veux savoir, cette formule chimique-là vient d'où? Où vous avez tiré cette science-là? Mais c'est ce que je viens encore vous expliquer. Allah vous montre. Regardez, Allah, son nom forme un cercle. Comment? Moi, je ne vois pas son nom qui forme un cercle. Quand je lis, mais regardez, c'est très simple. Je lis de la droite, de la gauche vers la droite, et je lis de la gauche vers la droite vers la gauche. Donc, un cercle, un demi-cercle, ça me forme un rond.
Allah, Allah, ça te forme un rang. Mais moi, je. Attendez, attendez, excusez-moi. Moi aussi, je peux dire que. Excusez, hein. Moi, je peux dire que. Voilà, je vais écrire Allah. Oui. Vous, vous allez voir un sec. Voilà, c'est Allah. Moi, je dis Allah ici. Mais par contre, moi, je vois plutôt deux traits aussi. Aller et retour. Non, c'est pour ça que tu allez rentrer dans le sens de la Bon, compréhension, ce que j'essaie de vous dire. je ne sais Regardez, pas. En fait, par exemple, Edouin, Adam, vous voyez excusez-moi, Adam, excusez-moi. vous voyez On va faire Adam, simple. On va Adam faire se simple. lit Hein. Adam, et ça se lit aussi comme ça se lit Nada. Nada en espagnol veut dire rien. Et donc rien, cercle. Oh, le Adam, rapport. Nada. Oh, le rapport. Mais je vous. Vous voulez savoir qui. Parce que vous m'avez dit que j'ai multiplié ça par trois. Je vous Bon, on explique va faire simple. Ouais, on va faire simple. pourquoi Excusez-moi, on je va dis faire ah là, simple. c'est le temps en fait. C'est ce que je vous explique. On a un cercle, on a la verticale, l'horizontale, la diagonale, gauche, la diagonale, droite. Multiplié par trois, puisque on est le passé, le présent et le futur. Ça donne les 24 fuseaux horaires du temps. Les 24 Alors, fuseaux dans le temps. Dans les 24 ouais, fuseaux horaires du si temps, vous on a dites le qu'on passé, a le le, présent, le futur. si vous dites qu'on a le passé, le présent, le futur, c'est Oui. ça qui c'est ce qui devient Allah, n'est-ce pas, le temps là. Mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est Alors ça, que c'est le passé pourquoi. là, alors que excusez-moi, est-ce que vous comprenez? Alors que Oui. le passé là, Oui. c'est un temps passé, c'est ça non? Le passé c'est un temps. Mais c'est Pourquoi ça. on dit passé? Excusez-moi, pourquoi on dit passé? C'est qu'il y a, il y a quelque chose qui est venu après. Non, dans le temps égale le passé, le présent et le futur. C'est ça que j'essaie D'accord. de vous expliquer. C'est comme Voilà. en ordre naturel des choses, on a le spirituel, l'astral et le physique. Eh bien, D'accord. c'est Maintenant, pareil. excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Quand vous dites le passé, là, Oui. c'est le temps écoulé, non? Le temps derrière nous. Partie intégrante du temps. Le temps est composé du passé, du présent et du futur. Je sais, mais je Oui. veux vous amener à comprendre les mots que vous employez. Je comprends parfaitement les mots que Le, j'emploie. C'est vous qui ce ne comprenez temps qui pas. est passé, excusez-moi, ce temps qui est passé, ce Oui. temps présent, et puis le temps futur. Vous dites que c'est Oui. ça qui est là, non? C'est ça. Puisque je vous ai dit que le temps est composé du passé, du présent et du futur. C'est ce que je viens encore vous redire. Très bien. Si par exemple, Alors que moi. si je prends ça ici, je mets ici, ça va me former comme une montre avec les 24 fuseaux horaires. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire ou pas? Et donc, ces 24 fuseaux horaires-là, c'est le temps. Et donc, J'ai dit Allah, que tu dis, c'est le temps, en fait. Oui. le passé, le présent, le futur. Oui. Vous dites que c'est tout ça qui forme le temps. Je suis d'accord avec vous. D'accord, OK. Moi, je dis ça là, le passé, le présent, le futur là, Oui. est l'œuvre d'une création. Alors, donc, vous dites que le passé, le présent, le futur, c'est l'œuvre d'une création, c'est ce que vous dites. Oui, c'est une Alors, création elle-même. donnez-moi donc le temps de création de ce temps-là. Et vous allez Très voir que je bien. serai incapable de me le donner. Parce que pour créer quelque chose, il faut forcément un temps de création. Ça, c'est pour vous. Non, ce n'est Ça, pas c'est pour pour vous. moi, en fait. Monsieur, en fait, soyons d'accord. Si on n'est pas d'accord sur ce point, regardez, pour créer quelque chose, pour créer n'importe quoi, il faut un temps de création. Pour se Ouais. mouvoir, il faut un temps de se mouvoir. Donc, si vous définissez que Dieu, qui est Allah, a créé le temps, donnez-moi quel est le temps de création. Si vous parvenez à me le donner, je vous concède la raison, en fait, sur ce point, en fait. Et Voilà, je ferme ma gueule, ça veut dire que je vous donne raison sur tout le point. Mais si vous ne parvenez pas à me donner le temps de création du temps, ben à ce moment donné, admettez que celui qui est le temps, c'est le créateur. Non, attendez, allons-y doucement, allons-y doucement. Écoutez la réponse que je vous donne. Je vous écoute. Écoutez la réponse que je vous donne. Je dis, Oui. le temps lui-même est une création de Dieu, d'Allah. Et je vous explique pourquoi. Et moi, je vous écoute. Avant que le temps, parce que le temps, c'est le début de quelque chose, soit des secondes, des heures, des minutes, des mois, des jours, etc., et des années au fur et à mesure. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va nous donner un passé, un présent et un futur. Est-ce qu'on a compris ça? On a compris. Non, sur ce point, je suis D'accord. pas d'accord. Sur ce point, je suis pas d'accord parce que quand vous dites que le temps, c'est l'œuvre de la de Allah, oui, ok, mais Non, quel est le temps? je ne suis pas encore arrivé là-bas d'abord. J'ai dit, j'ai défini le temps. Je suis en train de définir le temps pour vous. Oui, mais le J'ai temps, je suis défini le temps. du J'ai dit temps. le temps. Je sais, Oui. j'ai dit le temps. Le temps, vous dites Oui. que c'est le passé, le présent, le futur. J'ai dit, ok, allons-y dans votre sens. D'accord. C'est pas Mais dans mon ce sens. Vous temps. êtes d'accord ou pas? Est-ce que Oui, vous on êtes est d'accord? d'accord. C'est pour gagner du temps, je veux dire. C'est Ouais. pour gagner du temps. Je veux dire, le passé, là, c'est parce qu'il y a eu des mois, il y a eu des secondes, des heures, des minutes, des mois, des jours qui nous donnent maintenant un passé. C'est parce qu'il y a d'autres heures, minutes et secondes qui viennent après et d'autres années après qu'on parle maintenant du passé et qu'on se réfère maintenant au présent. C'est parce qu'il y aura d'autres jours, heures, secondes et minutes à venir qu'on va parler du futur, n'est-ce pas?
Oui, forcément, je ne comprends pas là où vous voulez en venir. Très bien, C'est pour ça que je vous très ai dit bien. de manière générale, le temps, c'est le Laissez-moi plus important. finir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Donc, tout ce système-là qu'on vient de citer là, D'accord. là commence les minutes, les heures, les secondes, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois et les années. Tout ceci sont une création, oui ou non? C'est l'homme, c'est. Je Vous vais expliquez dire forcément, les puisque minutes là, quand le temps les minutes. va se déplacer dans l'espace, il va créer l'espace-temps. Et dans cet espace-temps, il va Vous créer ne ses cellules. répondez pas à ma Et ces question. cellules, c'est quoi? C'est les minutes, les secondes, tout ce qui va avec. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Je dis que tout ce qui fait partie de la création provient du temps, puisque là, je vous ai ramené au point de départ. Et à ce point de Bon, départ, on d'accord. dit le temps, en fait. Je crois que Donc, sur le côté temps, on ne se comprend pas. On va comment? revenir, on va revenir. Je crois que sur Oui. le côté temps, on ne se comprend pas. On va revenir dans le vif du sujet. Parce que sur le côté temps, on ne se comprend pas. Je dis, Oui. maintenant que la définition, maintenant que la manière de créer a été définie dans le Coran, la création a été définie dans le Coran, la création du temps et de l'espace a été définie dans le Coran, La la création création des hommes, du temps est définie dans le Coran. je vais finir, je vais finir. Écoutez-moi, écoutez, laissez-moi Excusez-moi. finir. Vous notez, après vous allez revenir dessus. D'accord, Je excusez-moi. dis, la création du temps, des êtres humains, de toutes choses est définie dans le Coran. Si le temps est une chose, c'est que le temps a été créé aussi. Maintenant, je veux savoir, en fonction de ce qui est donné dans le Coran, comme modèle de création, comme mécanisme de création, comme matière de création, est-ce que vous avez quelque chose pour contredire? Oui, Ou bien vous êtes d'accord? j'ai parfaitement quelque chose pour contredire. Vous m'avez dit que dans le Coran, on parle de la Donc, création du temps. Est-ce que vous vous pouvez me lire contredisez. le passage Voilà. dans le Coran? Est-ce que vous pouvez me lire le passage dans le Coran là où on parle de la création du temps? Très bien. Moi, je veux Doucement, juste, si vous pouvez me lire ce on va y passage-là. arriver. On va y arriver. On va y arriver. Je vous Là où donne on le parle, verset du parce Coran. que moi, je n'ai jamais lu le Coran. Hein, donc, moi, je veux savoir, dans ton Coran, est-ce que tu as un passage où on te parle de la création du temps? En fait, cherche, tu me diras si tu vas trouver. Tranquillement, il n'y a pas de souci. Très bien. On va lire ensemble. Je vais lire un peu. On parle bien de la création du temps. Hein. J'entends Ne par vous en là. faites pas. Ok, Ne vous voilà. en Donc, faites pas. si vous me trouvez On le va passage de la création du lire comment est-ce que on va lire comment est-ce que parce que on va lire comment est-ce que le temps fut. On va Non, Dieu va nous montrer. vous m'avez dit que le temps a été créé. Montrez-moi dans le Coran comment on a créé le temps. Je vais vous montrer, excusez-moi, comment est-ce qu'on parle du temps? On parle du temps parce qu'il y a une création, Non, n'est-ce pas? frère, vous m'avez dit que le temps a été créé. Faites-moi, lisez-moi un passage dans le Coran Est-ce que où vous comprenez ce que je veux vous... Si je vous lis le passage, avant de vous lire le passage, je vais vous amener à comprendre quelque chose. On Oui, doit je être comprends. d'accord sur quelque chose. OK. Est-ce que le temps, pour parler du temps, il faut une création, oui ou non? Je vous ai dit que le créateur, c'est le temps. Et vous me dites que le temps a été créé. Moi, je vous ai posé la question par la suite. Si le temps a été créé, quel est le temps de création du temps? Là, je vous ai dit que si vous parvenez à me définir, à me montrer le temps de la création du temps, je vous donne raison sur toute la ligne. Mais si vous êtes incapable de me montrer le temps de la création du temps, admettez avec moi que Dieu, Non. c'est le temps, en fait. Non, je ne suis pas en train de vous montrer le temps de la création du temps. Je suis en train de vous montrer que le temps, excusez, je suis en train de vous montrer que le temps lui-même fait partie de la création. Est-ce Oui, que vous comprenez ce que je dis? forcément, le temps Maintenant, fait partie de je la vais création, lire. Je vais... c'est autocréé. Le temps, c'est autocréé, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ. Le temps, c'est autocréé. Une fois qu'il s'est autocréé, c'est qu'il va faire Comment est-ce que mouler. le temps... Excusez. Parce que, qu'est-ce que je vais vous faire lire? Je vais vous faire lire comment est-ce que Dieu a fait la création. Et que c'est dans la création qu'il a déterminé les mois, les minutes, les années, etc., etc. Je sais pas si... Non, c'est pas ça que Excusez, moi je veux. excusez. C'est pas ça que moi je Attends, veux. oui, je viens. Excusez-moi, fini. Excusez-moi, je finis. Si on veut connaître le temps, il faut que le temps soit marqué par quelque chose, n'est-ce pas? Mais vous m'avez dit que le temps a Voilà. été créé. Alors, montrez-moi Oui, la je vous explique. Je vous explique, avant de lire le verset, comment est-ce que le temps a été créé. Voilà. Donc, Parce moi, que... je veux donc un verset Écoutez, avec la création du temps. écoutez, écoutez, Je vous écoutez, écoute. écoutez. Allons-y. Je vous explique, je vous explique. Disais-le là Dans où la on va. création du temps... Excusez-moi. Allah a dit, dans la création des cieux et de la terre... Attends, je prends la sourate 3. On va aller ensemble dans la sourate 3. Rapidement. Sourate 3. Voilà. 190. On va lire ensemble.
c'est bon? À partir du 589 et suite. Allah dit, à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omniscient. Premier point. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans la ténance du jour et de la nuit, il y a un certain signe pour les doués d'intelligence. Premier verset. Je ne sais pas si vous comprenez. Je relis le verset. Dans la création, on a créé le temps. C'est ce que moi je veux. Tout ce que vous allez me lire, si ça ne parle pas de la création du temps, ça veut dire qu'on est hors sujet. Vous êtes hors sujet par rapport à notre. Excusez-moi. Est-ce que vous avez écouté le verset que j'ai lu? Moi, je vous avez écouté le verset. Est-ce que vous avez écouté le verset que j'ai lu? Ben, j'ai écouté, mais ça ne parle pas. Verset 190. Le temps a été créé. Ça ne dit pas, ça ne montre pas que le temps a été créé. Bon, d'accord. Je vais savoir. Écoutez, je vais lire. Je lisais. En écoute. Vérité, oui. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a certes un signe pour les doués d'intelligence. L'alternance du jour et de la nuit, ne sont pas des éléments du temps. Oui, oui, c'est des éléments du alors, temps. Donc Dieu est en train de montrer que tout ceci, la partie en vérité dans la création oui. des cieux et de la terre, et dans l'alternance oui. du jour et de la nuit, il y a certes un miracle pour les doués d'intelligence. Oui, et alors. Donc, c'est-à-dire, avant qu'on va commencer à compter le temps, avant qu'on va commencer à compter les heures, les minutes, les secondes, qui font partie du temps, qui sont le temps, Dieu dit que c'est lui qui l'a créé. Non. Là, vous avez mal compris le texte. Le texte que vous venez de lire, vous avez une mauvaise compréhension de ce texte, au fait. Et pour cause. Lisez et puis expliquez. Non, je n'ai pas besoin de lire. Vous l'avez lu déjà. Moi, je l'ai déjà compris. L'alternance du temps fait partie intégrante du temps. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, il a créé le temps. La preuve, si Dieu a créé le temps, comme vous dites, en combien de temps Dieu a créé le temps? Puisque je vous ai expliqué que pour se mouvoir, regardez, pour se mouvoir, il faut se mouvoir dans un temps. Pour créer non, quelque chose, il faut un temps de création. C'est votre définition à vous. Frère, si vous créez quelque chose, imaginons je crée quelque chose. Si je crée quelque chose, je crée quelque chose dans un temps de création. J'aurai un temps de création. Vous ne pouvez pas me dire que je me déplace, mais je n'ai pas de temps de déplacement, en fait. Ouais. Si vous créez quelque chose dans un temps, c'est parce que vous êtes dans le temps vous-même. Non, si je crée quelque chose. J'ai pas compris. Si vous créez quelque chose dans un temps, c'est parce que vous êtes dans le temps. Maintenant, d'accord. Dieu qui n'est pas dans le temps ne peut pas créer quelque chose dans un temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous me dites que Dieu n'est pas dans le temps, c'est ça? Non, Dieu n'est pas dans le temps. Si moi je crée quelque chose dans le temps, si moi je crée quelque chose, il me faut le temps pour créer parce que je suis dans le temps. Voilà, on est d'accord. Donc, Dieu n'est pas d'accord. Maintenant, si Dieu n'étant pas dans le temps, excusez-moi, oui. Ne parlons pas ensemble. D'accord. Dieu n'étant pas dans le temps, d'accord. Comment peux-tu créer avec le temps? Ah, ben là, alors, dans le courant, si dans le courant, quand Allah, il veut, je viens, je laisse-moi finir. Quand Allah, il veut parler de la création, il emploie le mot yom, c'est-à-dire période. Mm-hmm. Période où d'autres traduisent par moment. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le temps là, le temps dont nous parlons ici, il s'agit de du début des secondes, des minutes, etc., etc. C'est ça qui marque l'espace-temps. C'est ça qui marque le temps dans lequel nous sommes. Alors que nous qui sommes soumis dans le temps, nous qui sommes dans le temps, lorsque nous créons quelque chose, ou même lorsque nous voulons inventer quelque chose, il nous faut du temps parce que nous sommes dans le temps. Mais lui, le créateur qui transcende ce qu'on peut lui associer, ce qu'on peut lui imaginer, lui crée pas, en fait, lui crée le temps sans pour autant avoir créé ça dans le temps parce qu'il n'est pas partie prenante du temps. Il crée le temps sans pour autant être dans le temps. D'accord. Parce que si Dieu est dans le temps, excusez-moi, j'ai fini. Si Dieu est dans le temps, ou bien si Dieu est le temps, ce qui veut dire qu'il y aura un Dieu passé, un Dieu présent et un Dieu futur. Ou bien, il aurait un moment où il a cessé de vivre, parce que tout ce qui est dans le temps doit mourir. Allah dit dans le Coran, Allah dit que tout ce qui est sur la terre, tout ce qui respire, tout ce qui est dans le temps, tout ce qui a marqué un début, aura forcément une fin. Si Dieu est le temps, ce qu'il a le dit, il est le début, il aura forcément une fin, parce que le temps va finir. C'est faux. Donc, bon, ça, c'est vous qui dites que c'est faux. Je vais vous démontrer. Par exemple, je vous ai montré que rien que le fait du nom, ce nom-là vous montre qu'en fait, il est infini. L'infinité fait qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc, il n'y aura pas de fin quand on est dans un cercle arrondi. Il n'y a pas de fin. Donc, quand vous me dites que tout ce qui est dans le temps est voué à un début, à un commencement, oui, s'ils ne sont pas justifiés dans le temps. Mais à partir du moment où ils deviennent justifiés dans le temps, à partir du moment où ils vont connaître, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut connaître Dieu, à partir du moment où ils vont connaître Dieu et porter le nom de Dieu, eh bien, en fait, ils vont être justifiés dans le cercle. Et donc, ils ne pourront plus mourir. Donc, maintenant, on ne comprend pas ce que vous dites.
Vous dites que le cercle n'a pas un début. Vous êtes sûr? Une fois que le cercle s'est constitué, le cercle. Non, avant de comment expliquer aux internautes comment constituer un cercle. Parce que là, vous parlez, effacez le cercle là, effacez le cercle que vous avez fait là, et puis faites-nous un cercle, on va voir. Donc, je vais faire un cercle. Et puis faites-nous un cercle sans avoir marqué le début, on va voir. Faites-nous un cercle, on va voir. Justement, on revient à ce que je vous disais, parce que vous avez dit tout à l'heure que Dieu aurait créé le temps en étant en dehors du temps. C'est ce que vous me dites. Non, faites-nous un cercle. Je pars déjà de là pour faire le cercle. Je vais faire le cercle après, je vais faire, mais je vous montre déjà, vous m'avez dit que Dieu a créé le temps, mais lui, il était en dehors du temps. C'est ce que vous m'avez dit. C'est ce que vous avez dit, oui ou non? Exactement, oui. Exactement. Voilà. Donc, si vous me dites que Dieu crée le temps en étant en dehors du temps, ben, je vais vous expliquer une chose, c'est qu'en dehors du temps, il n'y a pas de mouvement. On ne peut pas se mouvoir en dehors du temps, en fait. On commence à se mouvoir, on commence... Oui, maintenant, comprenez ce que je veux dire. Ah, on ne peut pas se mouvoir dans le temps. Réponds, je réponds à ça. Je réponds oui, à on ça. Peut pas se mouvoir en dehors du temps. Quand vous dites qu'on ne peut pas se mouvoir en dehors du temps, ça, c'est pour des gens qui sont soumis dans le temps, au temps. Non. Ça, c'est en dehors du temps, il n'y a pas de... Excusez, je vais vous répondre. On parle ici, peut-être qu'on n'a pas la même foi, en fait. Peut-être qu'on n'a pas la même foi, on n'a pas la même conception de Dieu pour nous. Pour vous, en dehors du temps, personne ne peut se mouvoir. Je dis ça, c'est pour vous, et je vous donne raison. Personne ne peut se mouvoir, sauf un seul. C'est ce que je suis en train de dire. Nous, par exemple, individus dans le temps, individus du temps, on ne peut pas se mouvoir hors temps. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran, si vous êtes capable de sortir du domaine des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne pouvez pas, grâce à l'aide d'un pouvoir illimité. C'est-à-dire qu'il faut avoir un pouvoir illimité pour sortir de l'espace-temps, pour ne pas faire partie du temps. Et puis, pour pouvoir se mouvoir. Voilà pourquoi il est Dieu. Voilà pourquoi il est maintenant, voilà pourquoi nous disons qu'il est l'infini par essence. Il est le grand, il est celui-là mais qui transcende ce qu'on peut l'imaginer. Parce que nous, on ne peut pas vivre, on ne peut pas se mouvoir en dehors du temps. On ne peut pas être vivant en dehors du temps, on ne peut rien faire en dehors du temps. Alors qu'il y a un seul qui peut le faire. Ça, c'est du domaine de la foi maintenant. Là, on rentre dans le domaine de la croyance. Maintenant, j'ai dit, je reviens à votre... Apportez-moi un texte coranique qui dit que Dieu se meut en dehors du temps, en fait. C'est impossible. Vous êtes en train de dire... J'ai pas compris. Vous partez. J'ai pas compris. Vous dites quoi? J'ai pas compris. Apportez-moi un texte biblique ou un texte coranique qui dit que Dieu se meut en dehors du temps, en fait. Parce que vous partez du principe que parce que Dieu, c'est le créateur, il est capable de tout, donc même y compris du déraisonnement, en fait. Là, on est en train de raisonner. Vous me dites... Comment, expliquez-moi, comment on va se mouvoir en dehors du temps? C'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible, en fait. Logiquement, c'est impossible. Maintenant, si vous pouvez m'apporter... Vous avez demandé un verset, je vous envoie un verset rapidement. Il dit que Dieu se meurt en dehors du temps. En dehors du temps. Il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, je vous demandais un verset qui dit que Dieu a créé le temps. Vous étiez incapable. Hein, vous n'avez pas trouvé. Hein. Je vous ai montré. Désolé, je vous ai montré, sauf que ça ne vous a pas plu. Maintenant, excusez, je trouve le. Voilà, attendez, j'ai trouvé le verset. Vous savez, tant que vous dites le Coran, tant que vous mettez le Coran au défi, sauf si je suis peut-être. Parce que je suis certes limité dans ma connaissance, sauf si moi je n'ai pas la connaissance de ce verset, mais le verset forcément va exister. Parce que Allah dit qu'il n'a rien omis d'écrit dans le Coran. Tout à l'heure, moi, je vais finir, monsieur, attendez. On n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort, on est là pour se faire comprendre. Vous avez donné un verset, vous avez demandé un défi. Je vais vous montrer que Dieu a créé en dehors du temps. Vous ne l'avez pas trouvé. Vous ne l'avez pas trouvé, mais vous dites que vous l'avez trouvé. Sourate 3, verset 190. Oui. Maintenant, vous avez donné un deuxième défi de vous montrer encore que dans la création de Dieu, il ne... Donc, le deuxième défi, c'est quoi? Répétez, s'il vous plaît. Alors, le deuxième défi, c'est que montrez-moi dans le Coran que Dieu se meut en dehors du temps. Très bien, merci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je vous montre maintenant qu'il se meut en dehors du temps. Allez-y. Je suis dans la sourate. Je suis dans la sourate 41. Voilà, dans la sourate 41. D'accord, vous écoutez. Et on va lire le verset 11. Pareil. On lit le verset 11. On vérifie ensemble. Sourate 41, le verset 11. Parlant de Dieu, on dit, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Et il dit, ainsi qu'à la terre, venez tout de bon gré, mal gré, et tout de dire, nous venons obéissant. Il s'est adressé à la terre, ainsi qu'au ciel, qui était alors fumé.
C'est-à-dire qu'en dehors même de la création, des cieux et de la terre, en dehors même de toute chose, il se mouvait. Voilà pourquoi on dit il s'est adressé. Mais non, là, vous voyez, vous avez une mauvaise compréhension de ce que vous lisez encore. Là, vous, en fait, vous lisez les choses, mais vous ne comprenez pas ce que vous lisez, monsieur. Là, ça ne veut pas dire que Dieu, le fait que Dieu, je peux m'adresser à la terre et aux choses alors que je suis placé dans un autre espace de l'univers, en fait. Mais bon, ça veut dire que je ne suis pas dans un espace-temps. Excusez. Je vous dis, lisez-moi un passage que Dieu est en dehors du temps se meut, en fait. Moi, je veux voir ce passage. Vous n'allez jamais le trouver dans le Coran. Excusez-moi. Je veux savoir une chose. On parle pour se faire comprendre ou bien on ne veut pas se faire comprendre. Moi, je veux vous faire comprendre, mais je ne veux pas que vous m'indigez. Vous me donnez une mauvaise définition de ce que vous lisez. Donnez-moi la définition. Excusez-moi. Vous avez dit. Est-ce qu'on est d'accord? Excusez. Est-ce que vous avez dit ici que le temps se marque par les débuts des secondes, des heures? Le temps se marque par quelque chose. Est-ce que vous avez dit ça? Le temps, c'est le présent, le passé, le présent et le futur. C'est ce que je vous ai dit. Très bien. Si le temps, excusez-moi, doucement. Si le temps, c'est le présent, le passé et le futur qui se marque par les secondes, les minutes, les mois, là, je veux savoir. Lorsqu'on n'est pas dans la création, comment vous faites pour marquer le temps par les heures, les minutes et les secondes? C'est pour ça que je vous ai dit qu'en dehors du temps, rien ne peut se mouvoir parce qu'on est en dehors du temps. On commence à se mouvoir. Tant que vous avez défini par le siècle, on commence à se mouvoir quand on est dans le temps. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le temps. Et quand Dieu va s'auto-créer, parce que je vous ai parlé de l'auto-création, vous m'avez dit de tracer tout à l'heure un cercle. Dieu, il a un début. Quand il va s'auto-créer, c'est ce que je vous ai dit, il va commencer d'un point. Mais il va aller tellement, il va s'auto-créer. Et une fois qu'il va s'auto-créer, il va former un cercle infini. Et donc, ouais. C'est pour ça que je vous dis que Dieu, c'est le temps. Mais, oui. Mais attends. Tout à l'heure, je vous ai demandé de me montrer. Vous avez dit que le temps, là, n'a pas de début. Vous avez dit que le cercle n'a pas de début. C'est ce que vous avez dit. Une fois qu'il est auto-créé, oui. Ah, vous avez dit que le cercle n'a pas de début. Le temps n'a pas de début, puisque le temps est. C'est pour ça que vous dites que Dieu, c'est le temps. Il est. Bon, vous dites que le temps n'a pas de début. Alors que tout à l'heure, vous venez de dire que le temps se marque par quoi? Par les minutes, les secondes, les mois, etc. Se marque par quelque chose. Ouais. Oui, mais si le temps se marque par... Attendez, ne parlez pas ensemble, on ne va pas comprendre. D'accord. Si vous dites que le temps se marque par quelque chose, comment vous vous dites que ça n'a pas de début? Si, parce que regardez, le temps c'est ça, mais dans le temps on a des minutes, des secondes et tout. Le temps c'est quoi? Le temps c'est quoi? Le temps c'est quoi? C'est le siècle là. C'est ce que je vous ai dit, le temps c'est Dieu en fait. Le temps c'est... Attendez, bon, en fait, vous voyez, vous nous avez tellement plongé dans beaucoup d'ambiguïté que du coup, on n'arrive même pas à vous-même vous cerner. Je dis, je veux savoir, le temps là, a-t-il un début, oui ou non? Non, le temps est, en fait. Mais il est comment? Il est, par définition, le temps est. Bon, d'accord, pour vous, le temps qui est, là, qui n'a pas de, qui, qu'on ne peut pas matérialiser. Non, on le matérialise, on le matérialiser, il est là. C'est le cercle, l'horizontal, la diagonale gauche et la diagonale droite, fois 3. Bah, là, le cercle, il existait avant le temps, non? Ou bien, ou pas? Non, je ne sais pas comment vous dites. Je vous ai expliqué que le temps est. Le temps oui, il vous est. Dites le temps est, et puis vous faites un cercle. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Or, quand vous faites le cercle, vous marquez par... Excusez-moi. Ouais. Vous dites le temps, il est. Donc, on ne peut pas le définir, n'est-ce pas? Pourquoi on peut pas? Si, on peut le définir. Bon, si vous dites qu'on peut le définir, on peut le définir par un début d'une chose et puis par une fin. Maintenant, vous l'avez défini le cercle, vous avez défini votre temps par le cercle. Alors que le cercle, il a un début. Alors que vous dites que le temps n'a pas de début. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous explique le temps est. Le temps est. Par définition, le temps est. Et quand ce temps-là va se déplacer dans l'univers, on va faire une chose. C'est ce qu'on appelle un espace-temps. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui se déplace dans l'espace. Il crée ce qu'on appelle un espace-temps. Et dans cet espace-temps, il va décupler ses cellules dans cet espace-temps. Les minutes, les secondes, tout ce qui va avec. Ouais. Excusez-moi. Il nous reste 10 minutes. Montez-moi le visage au moins. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez marqué quelque chose. Vous avez marqué quelque chose en dehors du temps et vous avez appelé ça le temps. Trouvez un autre nom. Excusez-moi. Écoutez-moi. Quand vous avez fait le siècle, vous avez dit c'est le temps et qu'on ne peut pas se mouvoir en dehors du temps.
et que ce temps ne peut pas se mouvoir en dehors du temps. Vous avez matérialisé ça par quelque chose. Ça veut dire que ça s'est déplacé. Et non. ça fait un sec qui s'est disloqué en plusieurs choses. Je sais si vous comprenez. Attendez, je vais finir, s'il vous plaît. Ce que vous n'avez pas, ce que vous n'arriviez pas, ce que vous n'arrivez pas, parce que vous avez donné un temps marqué par le début du siècle. Il y a autre chose au-delà du temps. Il y a quelque chose que vous avez, dans votre tableau que vous avez fait, il y a quelque chose qui est au-delà du temps. Alors, la chose qui est au-delà du temps, là, vous avez appelé ça encore le temps. Non. Et que c'est Dieu. Au-delà, c'est-à-dire qu'en dehors. Bon, attendez, vous voyez, vous faites un cercle. Le cercle, là, c'est pourquoi d'abord? Le cercle, là, c'est pourquoi? Ça, je vous dis qu'en dehors, c'est pour vous matérialiser qu'en dehors de ce temps. Ici, on est dans le temps. Ici, on est en dehors. Non, ne faites pas des cercles. Je veux savoir, le cercle, là, c'est quoi? Le cercle que vous avez fait, là, ça marque quoi? C'est comme si je faisais comme ça. OK. Bon, si vous voulez, je vais. Que ce soit ça. OK, je fais ça. En dehors, je fais comme ça. En dehors du temps. En dehors du temps. Ici, c'est le temps. Et là, c'est en dehors du temps. En dehors du temps, rien ne peut se mouvoir, en fait. Et oui, tout à l'heure, d'accord, mais là, c'est qui a... comment vous appelez en dehors du temps? Excusez-moi, comment vous appelez ce qui est en dehors du temps là? Vous appelez ça comment vous? C'est l'inexistence en fait. C'est l'inexistence. Rien n'existe ici en fait. C'est le chaos. C'est le chaos. Attendez, doucement. Ce que vous appelez en dehors du temps chaos là, oui. Qu'on n'arrive pas à cerner, on n'arrive pas à définir là, oui. Qui n'est pas le temps là, oui. C'est ce que nous on appelle l'incréé. C'est ce que nous on arrive à dire qu'est le créateur. Mais nous, on ne dit pas que le temps est le créateur. On ne dit pas que le temps est Allah. Supposons, je vais dans votre sens. Supposons que on prend ce qui est en dehors du temps là. On appelle ça Allah. C'est parce qu'on n'arrive pas à cerner. Excusez-moi. Excusez-moi. Doucement. 5 minutes pour terminer l'émission. Là où vous avez mis le trait, c'est le temps. Vous avez mis un trait au milieu qui sépare le temps à quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, n'est-ce pas? Non, dis que vous n'arrivez pas à définir ça. Je vous ai dit qu'ici, rien ne se meut ici. Mais c'est quoi? Si rien ne se meut, comment rien ne se meut là-bas? Comment rien ne se meut là-bas? Et vous n'arrivez pas à donner le temps. Il n'y a pas la notion de temps, en fait. Pour se mouvoir, il faut une notion de temps. Très bien. Demandez à n'importe qui de vous dire, pour se mouvoir, il faut une notion de temps. Vous ne pouvez pas vous mouvoir là où il n'y a pas une notion de temps, en fait. C'est impossible. C'est compliqué. Là où vous n'arrivez pas à donner le nom, là, l'élément qui marque la chose qui est en dehors du temps, là, et que vous appelez ça le chaos total, là, que vous n'arrivez pas à cerner, vous n'arrivez pas à donner un nom. Parce que, moi, je veux que vous donniez le nom. Vous dites l'inexistant. L'inexistant, c'est quoi? C'est quoi l'inexistant? C'est ce que nous croyons, on appelle ça. C'est ce que nous faire référence à celui-là même qui est le maître de toutes choses. Parce que si vous dites que il y a quelque chose qui a vécu hors du temps. Non, je n'ai pas dit qu'il y a quelque chose qui a vécu hors du temps, puisque je vous explique. Mais le chaos là n'est pas une existence. Non, le chaos qui est là. Je vous dis qu'en dehors de ce temps, rien ne se meut. C'est l'inexistence. Voilà. Il n'y a rien ici. C'est-à-dire c'est un vide, non? C'est-à-dire c'est un vide. Non, tout ce qui existe ici. Est-ce qu'il est là-bas là? Ce que vous avez fait à côté. Non, ça n'existe pas. Je vous montre que ici, c'est l'inexistence, en fait. Ça n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire que quoi? C'est parce que vous êtes dans. Excusez-moi. C'est parce que vous êtes dans l'existence que vous n'arrivez pas à cerner l'inexistant. Nous, c'est l'inexistant, là. C'est qu'on n'arrive pas à cerner, là. C'est ce que nous, on appelle le créateur. C'est ce que nous... Montrez-moi ça dans le Coran, alors. Tout à l'heure, je vous ai non, dit... Non, on n'a pas besoin de vous montrer dans le Coran. Déjà, c'est déjà devant vous. Ça dans le Coran. Je vous ai deux textes. Vous m'avez dit que le temps est écrit. Ouais, je vais vous le montrer dans le Coran. On va laisser le temps. On va passer sur ce temps. Comment vous me dites on a eu... dans, excusez, dans on a eu deux... On a eu deux choses. On a eu deux choses sur lesquelles on ne s'est pas entendu. On a eu deux choses sur lesquelles on ne s'est pas entendu. Donc, moi, je voulais, alors que le vif du sujet ici, le thème qui nous a réunis ici, c'était de parler de la création. Oui. Pour nous, attends, je viens. Pour nous, Dieu nous a donné dans le Coran les éléments de comment est-ce qu'il a créé le monde. Et qu'il nous a montré qu'en créant le monde, là, il n'était pas dans l'espace-temps, il n'était pas dans le temps. Il nous a montré dans le Coran qu'en créant les cieux et la terre, ainsi que tout ce qui subsiste, lui, déjà, vu que c'est lui qui crée, alors que rien ne peut exister sans le temps. S'il a créé les arbres, c'est qu'il y a eu un début. S'il a créé les cieux et la terre, c'est qu'il y a eu quelque chose. Je suis d'accord, oui, bien sûr. Voilà, donc du coup, quand lui est en train de créer la chose là, lui n'est pas dans le temps de la chose qu'il est en train de créer. Et okay, ça, moi, je vous ai dit, attendez, si on se base, si on veut aller sur les éléments de la création, si on veut aller, parce que le thème, c'est ça, la création. Allons-y, c'est ce que Dieu a déjà créé. Parce qu'on n'arrive pas à définir ce qui est
hors le temps. On n'arrive pas à définir ça. Mais vous dites maintenant, quelque allons-y. Chose, vous dites quelque chose que je ne peux pas accepter, en fait. Ce n'est pas logique que vous me racontez. Vous me dites je vais finir ma... Vous me dites que Dieu a créé. Je suis d'accord, Dieu a créé. Mais je vous dis, quel est donc le temps de création? Puisque pour créer, il faut se mouvoir. Il y a forcément un temps de création. Pourquoi vous n'admettez pas vous. Je vous ai répondu. Je dis ça, c'est pour vous qui êtes dans le temps. Quand vous parlez, quand vous avez raison, moi, je vous donne raison. Mais quand moi, j'ai raison, il faut aussi être capable de me concéder la raison. Sinon, vous allez déraisonner tout le temps. Vous me dites non, que Dieu a créé. Attendez, vous me dites que Dieu a créé, même dans la Bible, même dans le Coran, on vous dit que Dieu a créé dans un temps, en fait, en 6 jours ou en 7 jours, je ne sais pas. Donc, c'est bien non, la dans le Coran, dans le Coran, dans le Coran, c'est pas dans la Bible. Voilà, wow. Dans la Bible, pas, dans la Bible il parle de la création. Ils disent même que le 7e jour, Dieu s'est reposé de sa création, en fait, dans la Bible, par exemple. Donc, vous voyez bien que pour créer, Dieu a créé dans le temps, il y a eu ce qu'on appelle un temps de création. Et donc, s'il y a eu un temps de création, ça veut dire qu'à un moment donné, le temps de cette création-là, il est où? C'est ça que moi, je veux savoir. Si vous arrivez à demander... Ça, vous allez demander ça aux biblistes. Vous allez demander ça à ceux qui lisent la Bible. Dans la Bible, Dieu n'a pas créé dans le temps. Il n'a pas créé avec un temps de création. J'ai dit, votre débat, vous allez demander aux chrétiens, ils vont vous expliquer. Moi, je suis dans le Coran. Ok, dans voilà. Dans le Coran, Dieu n'a pas créé dans la création. Écoutez, dans le Coran, là. Oui, Dieu n'a pas créé avec un temps de création. Attends. Mais c'est une question que je pose, oui ou non? Est-ce que Dieu a créé avec un temps de création, oui ou non? Non, écoutez d'abord, comment Dieu dit il a créé dans le Coran? Oui. Dieu n'utilise pas le mot jour. Ok, je vais terminer sur ça, puis on va finir. Inch'Allah. Dieu n'a pas utilisé le mot jour dans le Coran. Dieu a utilisé le mot yaoum dans le Coran. Alors, quand vous allez aller voir comment est-ce qu'a été traduit le mot yaoum par les savants, vous allez voir que ça transcende les heures, les minutes, etc., etc. Ça transcende ça. Parce que le mot jour, c'est une traduction française pour nous faciliter la compréhension à nous qui lisons. Dans la traduction française. Sinon, dans le mot en arabe, c'est yaoum. Donc, le mot yaoum, quand les savants t'expliquent le mot yaoum, la définition de ce mot-là, tu vois que ça transcende la barrière de. Ça transcende, ça transcende les minutes, les trucs, etc., etc. C'est-à-dire, il crée sans pour autant être dans le temps. C'est impossible. C'est ce que moi, excusez-moi. Ça, c'est impossible pour vous. Non, c'est impossible. Ouais, on va finir parce qu'on a déjà pris par le temps. On va finir. Je vais conclure et puis vous allez conclure. Excusez, je vais conclure. Et puis vous allez conclure. Ou bien je vais vous laisser conclure et puis je vais conclure. Voilà, donc je vais dire, on a tout fait sauf rentrer vraiment dans le vif du sujet. Parce que moi, je voulais, par exemple, un élément de création hein, dans le Coran à laquelle vous allez dire non, Dieu n'a pas créé ceci, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Ou bien là, il y a une erreur, là, il y a une erreur. Moi, je vous ai dit que pour nous musulmans, Dieu crée le monde, Dieu crée le temps, Dieu crée toute chose, il donne le début de toute chose qui est le temps, sans pour autant être dans le temps. Ça, c'est notre croyance à nous. Et dans le Coran, vous n'avez pas quelque chose pour prouver le contraire. Vous avez seulement votre logique à vous pour dire qu'en dehors du temps, on ne peut pas se mouvoir. Je dis, ça, c'est pour vous, la créature. Alors que pour le créateur, là, c'est différent. Lui, il a la capacité de se mouvoir hors du temps. Non, on ne parle pas de la même chose. Vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, du coup, moi, j'aurais bien voulu que vous me citez, vous ouvrez le Coran, par exemple, et vous me citez quelques éléments de la création de Dieu qui sont fausses. Ou bien une création de Dieu qui ne coïncide pas avec la logique, ou bien une chose que Dieu a dit qui ne coïncide pas avec la raison. Et puis, si vous voulez donner ça en fonction de la raison, il faut nous donner des éléments scientifiques clairs. Il faut s'appuyer sur des choses claires et non sur votre raisonnement à vous. Parce que votre raisonnement à vous n'est pas forcément la vérité. Voilà ce que je peux dire. Malheureusement, on n'est pas rentré vraiment dans le vif du sujet parce qu'on s'est attardé sur les petits mots et on a perdu du temps dessus. Quand on donne la bonne compréhension, on espère qu'on aura un autre débat plus intéressant et plus concret pour nos auditeurs. D'accord. Okay. Alors, concrètement, donc vous avez dit pour finir. Ah, oh, tu regardes les minutes. Combien de minutes j'ai pris? Ouais, on a fini. Hein. Voilà, il a 2 minutes pour conclure, puis on va aller. Inch'Allah. On a une émission à la radio tout à l'heure. Donc, vous m'avez dit que donc, c'est votre croyance. Je suis d'accord avec votre croyance. Hein. Donc, je ne conteste pas votre croyance. Mais vous n'avez pas été capable de me concéder la raison là où j'avais raison. Parce que vous me dites que Allah a créé. Je suis d'accord avec vous. Et je vous ai dit que pour créer, il faut forcément un temps de création. Et c'est là où vous n'avez pas pu. Vous m'avez dit que vous allez me donner un texte du Coran qui dit que Allah a créé.
avec un temps de création, vous n'avez pas été capable. Après, vous me dites que vous allez me donner un autre texte où Allah aurait créé le temps et vous avez été incapable de me donner le texte là où Allah a créé le temps. Maintenant, vous me dites de vous donner, par exemple, un exemple de quelque chose dans le Coran, par exemple, qui ne serait pas vrai. Je vous donne un exemple. Quand on dit que Caïn, par exemple, a tué Abel, c'est faux. Je vous l'ai démontré puisque Caïn et Abel sont des jumeaux. Caïn, c'est la loi et Abel, c'est la loi et Caïn, c'est le Christ. En fait, ils sont parfaitement complémentaires. Ça veut dire que même s'ils engagent un combat pour l'éternité, personne ne peut tuer l'autre, en fait. Donc, c'est ça. Donc, voilà un exemple palpable d'un mensonge, de quelque chose qui est écrit dans le Coran et dans la Bible qui n'est pas vrai. Caïn ne peut pas tuer Abel. Abel ne peut pas tuer... comment dirais-je, Caïn? C'est impossible. Pourquoi? Pourquoi c'est impossible? Puisque je vous montre que Caïn et Abel sont des jumeaux, ils sont parfaitement complémentaires. Oui, Caïn et Abel, là, vous tirez les noms de quel livre? Peu importe, appelez-les comme vous voulez dans le Coran. Je te pose la question à toi, quoi. Comme mais tu ne crois ni à la Bible, ni au Coran. Maintenant, Caïn et Abel, appelons-les A et B, si vous voulez. Non, on ne peut pas les appeler. Comment les appelle? Voilà un peu, en fait, voilà un peu ce qui biaise un peu les débats. En fait, vous mélangez tout. Vous faites une allégation. Excusez, vous faites une allégation. Comme vous dites, c'est votre conclusion, il n'y a pas de souci, on va vous conclure. On le laisse conclure parce qu'on n'a pas, on va perdre le temps. D'accord. Ok, merci beaucoup déjà. Merci beaucoup. Comment il s'appelle, Guérelli? On va se retrouver peut-être une prochaine fois. Pardon. Il faut laisser le tableau. Tu laisses le tableau, tu viens face à face et puis on va échanger. Vraiment, merci beaucoup pour ta participation. On voit que tu es beaucoup entré dans la science, voilà, et nous sommes dans le courant, c'est bon. La science et le courant, également, voilà, c'est compatible. Bon, merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez à tout le monde. Merci à notre maman chérie, maman Mariam Konaté. Elle est à Ouagadougou avec nous. Dans tous nos rappels, elle est là, Inch'Allah Ta'ala. Merci à tous ceux qui nous suivent. Comme je le dis, vous voyez à l'écran, le 15 septembre, au 18 septembre, la DDS sera à Bondoukou. Voilà, donc Inch'Allah, nous serons là. Après Bondoukou, dès que nous revenons, on va ici à Boaké, et puis ensuite de suite, Divo, Daloa, San Pedro, Yabayo, Meadji, Soubré, Djekano surtout, je n'oublie pas, Yamoussoukro, et puis voilà, ainsi de suite, avec la DDS et l'islam qui tombe. Je voulais également saluer Asta Cosmos, voilà, elle s'est mariée, donc Allah me baraka dans ton mariage, Inch'Allah. Donc tout à l'heure, nous serons dans une radio pour une émission. Et puis, demain, c'est le 28. Donc, à l'hippodrome de Ouagadougou, à l'espace hippodrome de Ouagadougou, la DDS sera là, Inch'Allah, de 16h à 18h pour l'apothéose. Également, le lundi 29 août, à partir de 20h, sinon de 20h à 22h, à la cité universitaire de la Padoue, ici à Ouagadougou, toujours, Inch'Allah. Mais au cours de la journée du lundi, on va faire la pose de la première pierre du centre ou encore du complexe qui va abriter, n'est-ce pas, formation de la jeunesse dans l'école coranique, également dans l'interrégion de Ouagadougou également. Il y aura celle de la Côte d'Ivoire, celle du Burkina. Ça, la facilité qu'on va au Mali, pourquoi pas là-bas également. Quand on ira à Kinshasa, pourquoi pas là-bas également. C'est notre objectif, Inch'Allah, quand on donne les moyens de le faire. Salam alaikum à tous. À demain. Ah, le jingle. Voilà, je passe. Voilà. OK. Et c'est parti. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux.